est toujours dans le labyrinthe du niveau 66. Oh, une porte. Oh, de la laine blanche. C'est bon ça, j'ai le droit de casser la laine blanche. La curiosité est un très bon défaut. Bloc de diamant. D'accord. Je sais pas si c'est dans le but que je le place. Ou dans le but que je me fasse un bonus. Mais... Et les toiles d'araignée dans les conduits, c'est quand même très très chiant. Il n'y a pas une sortie. Oh mon dieu. Un labyrinthe sans carte, sans indication. Ah, de la laine blanche, c'est cool. Super, de la redstone. Ah ah. Bouillard. T'approches du but, mon petit, je veille sur toi. Enfin, on. Ouais, ils sont propres. Poser l'artefact of God et prier. Je suppose que c'est ça l'artefact of God. Dieu des dieux, montrez-moi la voie. Voilà, bon. Je suppose qu'il y a une porte cachée quelque part, non? Checkpoint, encore une fille, tu allais dire. Bon. Ça va faire chier quoi là? Un pantalon? Oh, un diamant! Bon, bref, hop. Allez, c'est la fin. C'est la fin, je pourrais faire des bons sauts pour finir quand même. Si une map jump, ce serait faire honneur à la map de faire un bon saut là. Non, non, bon, d'accord. Ah. Voilà. Ils sont tombés dans la lave, mes diamants. Non. Et moi, je vous annonce que je suis trop bête. Il suffisait que je casse le verre. Il suffisait que je casse le verre. Et je reprends à la salle 61. Et c'est la mort. C'est la mort. Bon, je vais pas vous infliger tout ça. Donc, ellipse temporelle, le temps que je réarrive à la salle suivante. Voilà, je suis revenu. Bon. J'en ai bavé, je suis revenu de la salle 61 à la salle 66, je suis repassé par le labyrinthe. Et il fait nuit cette fois. Donc je peux dormir et faire le checkpoint. Et ouais. Et cette fois, si je meurs, c'est pas très grave. Donc, encore à l'accélérer, peut-être, si j'y arrive pas. Parce que finalement, cette vidéo... Bah, elle fera peut-être pas 15 minutes, mais je pensais qu'il restait genre 30 secondes après la salle. En fait, non. Donc, accélérer autant que j'y arrive.
Ouf, j'ai réussi. C'est beau ici quand même. En tout cas, on voit rapidement sur l'architecture de la map. C'est tout simplement gigantesque. Parce qu'il y a bien 66 salles. Et autant des fois elles sont petites, autant des fois elles sont vraiment très très grandes. Et les environnements sont très variés. On a tous les blocs. On a vu tous les blocs, je pense. Tous les blocs ont été utilisés. Et plutôt à bon escient. Donc, malgré la facilité de certaines salles, d'autres offrent un challenge beaucoup plus relevé. Hop. Donc en résumé, je conseille vivement cette map aventure. Moi personnellement, je suis pas un fan des map aventures, j'en fais pas beaucoup. C'est la première que je suis sur le point de finir. D'habitude, j'en essaye quelques-unes. Oh non! Et bien évidemment, dans le coffre qu'il y avait tout à l'heure avant le labyrinthe, au début, il y avait de la TNT. Et puis après, il y avait un lit. Puis moi, comme un blaireau, j'ai pas attendu la nuit pour faire le checkpoint. Et toute ma TNT, elle est partie dans la lave. Donc je vais devoir casser les glowstones. Hop! Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que je suis pas un fan des map aventures, que c'est la première que je finis. Voilà. Merci d'avoir joué. L'équipe MIC vous souhaite un bon voyage. 3 jours de folie pour ces constructions. 3 jours seulement? Sans aller vite. Hop. Have fun. Donc finalement, la map est gigantesque. Les salles sont bien agencées. Les unes par rapport aux autres, elles sont variées, c'est agréable, tout est beau. Ouh. Oui, c'est quand même gigantesque. Le Minion 4, le Daft Punk, avec des clins d'œil, ces 3 personnes ont l'air très sympathiques, qui ont fait la map. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, au sens propre comme au sens figuré. Ah oui, c'est le fameux. Ouais, la fin de la map, elle est un petit peu en fail parce que ça, je l'ai vu dans une autre vidéo. C'est l'accumulation des dégâts dans le minecart. Tu aurais dû descendre directement. Enfin bref, la map aventure est finie, map mic, donc première map aventure que je termine, et elle m'a beaucoup plu. En résumé, téléchargez-la, faites-la si je vous ai, bon, je vous ai complètement spoilé si vous avez regardé jusqu'au bout, mais bon, vous avez vu comment j'ai galéré pour faire les sauts. Vous devez me prendre pour un nul, mais bon, c'est pas si facile, essayez. Essayez, et puis voilà, vous allez vous rendre compte que des fois on foire. Sur ce, j'ai été ravi de faire ces vidéos, et je vous souhaite une bonne continuation dans Minecraft. Continuez à aimer ce superbe jeu qui d'ailleurs est sur le point. D'être vendu à 3 millions d'exemplaires dans 24 heures au moment où je tourne la vidéo, donc ce sera sûrement aux alentours où je la posterai. Le jeu aura atteint les 3 millions d'exemplaires vendus sur le site minecraft.net. Merci à Notch, merci à tous de me suivre. Abonnez-vous si ça vous a plu et à bientôt pour de prochaines aventures. À vous les studios!